Bonjour tout le monde, comment ça va? Salut le pacificateur, merci d'être au rendez-vous. On va partir sur Shogun 2, encore une fois, on va continuer la campagne en vanilla. On attend juste, j'attends de mon côté que le jeu se lance et après on part. Tu arrives au bon moment? Eh ben parfait. Ben, j'ai bien fait de manger rapidement alors. Là je viens juste de sortir du brossage de dents, pour tout savoir de ma vie. Je vais baisser la luminosité parce qu'elle est balèze là. Voilà, là c'est encore un peu trop. J'ai failli me déco pour jouer là-bas. Non, parce qu'après, j'avais vraiment envie de stream ce soir. Bon, apparemment, le jeu, il est pas. Il est pas OK. Eh ben voilà. Il arrive. J'avais vraiment envie de stream et comme j'ai pas envie de faire juste 2 heures de stream. Charger, c'est bon. Et tac, on passe à la scène. Était pas mal l'intro, ça va, ouais, j'étais un peu dans le speed là du coup. J'ai vu que t'avais parlé, alors je me suis dit vite, faut que je le chope avant qu'il s'en aille parce que. En voyant l'archère elfe de sang, ça m'a rendu nostalgique. Ah oui, Sylvanas. T'as déjà joué à WoW? Oh bah écoute, moi écoute, c'est impossible. J'ai fait. Moi par exemple, dans WoW, j'en ai fait des personnages. Et le dernier, c'était sur Lich King. Ah oui, d'accord, oui, ça fait un bail. Sur WoW, j'ai fait pas mal de personnages et je suis toujours revenu sur mon un chasseur et il n'y a que lui que je peux jouer quoi. Moi je joue encore moi. Putain, mais j'ai vraiment l'impression que d'être hyper blanc quoi. Le machin de dragon n'avait pas hypé. Oui moi non plus j'ai laissé tomber là et j'ai repris à Mist of Pandaria. J'ai repris à la fin de Mist of Pandaria. Et bah franchement, moi je voulais, j'étais en mode gros con parce que à une période j'étais en mode gros con, genre je me faisais vraiment une idée des choses avant de les avoir, avant d'avoir essayé. Et je m'étais dit ouais les pandas et tout ça pue. Et puis j'ai testé. Et puis j'ai tellement kiffé. Pour moi ça fait partie de mes meilleures extensions quoi. C'était l'histoire et tout, elle était mature, je trouvais l'histoire. Ah ouais, non, franchement, ça m'a. Après, il paraît que la meilleure extension, c'était Légion, et j'ai arrêté de jouer à Légion, et j'ai repris juste à la fin aussi. Et pareil, Légion, j'ai vraiment kiffé. J'ai fait toute l'avant-dernière, donc c'était Battle for Azeroth. J'ai trouvé ça sympa. Sur la fin, je me suis un peu fait chier. Après, moi, je joue vraiment de manière casu. Hein. Je fais ni les raids, je fais pas de PvP HL. Je fais que du contenu, j'ai fait que du donjon mythique, je sais pas si tu connais, c'est les nouveaux donjons que tu fais. Il n'y avait pas de bon serveur privé, donc bon. Ah oui, d'accord, tu jouais sur privé, oui. Bah sur serveur privé, c'était. Je crois que c'est à Cataclysme que ça s'est arrêté. Hein. Bon alors, où est-ce qu'on en était? 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 Ici, nous avons un marché. Alors, prévision 3. Ok, ça veut dire qu'on peut monter le. Bah non, attends, il dit n'importe quoi. C'est pas possible que j'ai une prévision. Ah, peut-être que j'ai une ferme quelque part. Ouais, Cataclysme. Ouais, Cataclysme, l'extension qui a foutu le zbeul. Après Cataclysme, moi, pour moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans Cataclysme. C'est quand même. La refonte du jeu, enfin des paysages vanilla, et ça, quand même, ça fait du bien. Puis, je trouvais que l'idée, franchement, de base, elle était cool. Ça veut dire, plutôt que d'aller explorer un autre monde, et ben, on allait pouvoir en fait découvrir le monde qu'on connaissait, mais ravagé par un cataclysme. Et je trouvais que, franchement, que c'était vraiment, il y avait l'idée était là, quoi. Et franchement. Ouais, après, ben en vrai, c'était pas ça qui a
qui a fait que c'était pas la bonne extension, c'est que c'est tout ce qui était les raids et tout ça après. C'est tout ça. C'est pareil pour BFA, c'était une super idée, hein, la guerre, enfin une vraie guerre hors d'alliance là. Bon. Oh, un moine, on va recruter un moine. Ah non, on recrute un moine ce tour-ci ou pas? Non, on recrute pas un moine ce tour-ci. On va faire le marché, hein. On va refaire un marché. Toi. Allez, hop. Et on recrutera un moine le tour d'après. Qu'est-ce qu'on avait? Des bateaux. Vous êtes mes copains. Vous avez plus de mobilité. Ici, j'ai perdu ma flotte. Eux, ils sont en paix. Vous. Direction la maison. Par là, par là, par là. Ouais, y a du monde ici. Mon main, c'était un orque mineur, donc du coup, avoir plusieurs banques de guildes m'était utile. Ah, attends, j'ai dû rater des trucs. Je me disais, je n'avais pas fini un perso. Ah ouais, t'avais même pas fini un perso? Par contre, sur Lich King, j'avais fait des guildes et tout. Ah oui, d'accord, et du coup, t'avais fait pas mal de guildes pour avoir des banques de guildes. Ouais. Ouais, après, moi, je suis pas un. Enfin. Quand j'étais plus jeune, j'étais un très gros farmer, j'adorais ça. Et maintenant, non. C'est vraiment plus du tout mon délire. Hein. Dès qu'on me demande un peu de farmer, ah non, c'est pas moi qui veux venir voir, quoi. Ici, qu'est-ce que nous avons? J'avais fait une guilde, mais après, les joueurs me donnaient leur guilde. Ah oui, d'accord. Et juste par curiosité, parce que moi aussi, j'ai fait du serveur privé. T'étais sur quel serveur privé? Ah, j'ai plus d'argent. Alors, hop, établir un réseau criminel et établir un réseau. Non, 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 toi tu restes là. C'est toi que je veux. Établir un réseau criminel aussi. Et toi tu peux bouger. Hop, citadelle, surveiller. J'en suis à combien? J'ai atteint le nombre maximum. Alors. Ouais, moi c'était Eternity, je crois, le serveur sur lequel j'ai pas mal joué. Oui, bah oui, souvent c'est ce que moi aussi j'ai fait ça plusieurs fois quand je jouais sur privé. Bah tu parles, les serveurs privés, t'es tellement content de récupérer du peuple que les gens couraient. Ah là c'est ma grosse armée. Là c'est ma petite armée. Hop, ici. Omi, ça m'étonnerait qu'il veuille faire un. On va partir dans le jeu là. Tac. Demande d'alliance. J'écouterai. D'accord. Oui, même pas. Alors, bah, je crois que. Donc, du coup, je connaissais bien la sociabilité des gens. Ouais. Plus 2 de rang, plus 3 de morale pour les unités terrestres. Ah ouais, c'est pas mal ça. Ça doit être pas mal pour les. Ah oui, ici il faut faire un comment un temple bouddhiste. Alors, ça fait la 6e fois que je dois dire alors, parce que j'ai peur d'oublier quelque chose. Ça. Ça, on. Est-ce qu'on le veut, ça? Plus 20% sur les revenus commerciaux liés aux. Oui, on veut parce qu'on veut les nouvelles fermes. Allez, c'est parti! Donc là, le but du jeu, c'est de conquérir un maximum de provinces avant, je ne sais plus quelle année, je crois que c'est l'année 75. Ah bah alors lui, il va venir m'emmerder. Et je crois qu'il a réussi. Ah oui, lui, eux, ils sont hyper chauds pour... Ah, ils sont hyper chauds là.
Mais ce bâtiment est au choix. Soit tu peux l'améliorer pour le moral des troupes, soit tu peux avoir un plus performant. Ouais, mais je crois que là, il est parti. Ah bah ça y est, je crois que je suis shogun. Le vent a tourné. À présent, nous volons comme des dragons. Je ne m'inclinerai plus jamais devant des êtres inférieurs. C'est eux qui s'inclineront devant moi. Mais nos ennemis marchent encore. Et alors, la victoire est proche. Ils redouteront tous les Shosokabe. Ils me redouteront tous, car je suis le shogun. Et pour l'occasion, je me suis fait la petite, le petit chignon là. Vu que je suis le shogun. Ah, ils me redouteront tous parce que je suis le shogun, mais on m'a quand même jugé et exécuté, hein. Alors, il m'a exécuté. Bah, il a exécuté le comment. Ah non, il a exécuté le. Bah ouais, non, attends. Ouais, il a exécuté mon. Tac, tac, tac. Mon ninja. Bon bah maintenant que je suis shogun, je vais pouvoir peut-être me refaire des alliés et continuer la conquête tranquillement. Putain, mais à chaque fois j'ai cette petite la petite histoire de la geisha, du mec qui sert la geisha. Je laisse la première cinématique et après on passera au reste. Enfin, on passera les autres cinématiques. Alors, assassinera ou assassinera pas? Assassinera. Ça marche! Ouais, bah c'est vrai, mais moi j'avais fait une autre partie où... bah c'est quoi ça? Ça sort d'où? Garde d'élite. Seule l'élite des samouraïs est choisie. Bah écoute. Bah oui. Bah écoute. Il te reste combien de provinces à capturer? Il m'en reste... un peu plus de 15. Un peu plus de 10. 12, en fait, exactement. Il me reste 10 ans pour le faire. C'est ça! Le Nihon Maru, c'est ça? Et ben voilà. Cette puissante embarcation est le navire personnel du shogun. Sa présence en mer encouragera les deux autres bateaux à se battre ardemment et avec grand courage. Kobaya d'Archer. Bah écoute, on va la mettre dans cette flotte-là. Et je crois qu'il y avait des gens. Voilà, toi. Et ben on va aller voir à quoi ressemble. Ah ouais. On va aller voir à quoi ressemble ce nouveau le bateau du shogun, le bateau personnel du shogun. Il est comment dire gros. Ça va le son du micro, il sature pas. On est pressé de tester ça là. Alors on va pas, quand même pas sortir le bateau sous la pluie. Non, c'est au top, et bah c'est parfait. Oh, ah ouais! Oh bah moi, je dis oui! Il y a même les portes et tout pour sortir se baigner. On est bien! Oh là là! Alors qu'est-ce qu'il peut faire lui? Encourager la flotte et battre plus vite. D'accord, il y a des archers? Ouais, il y a quelques archers. Il y a combien d'archers? Ah, il y a quand même 80 archers, hein, c'est pas rien.
Ça, c'est un navire de commerce, hein. Ouais, tu vas rester derrière. Des cobayes d'archers. Hop. Ça, c'est les bunes. Ah, à quoi ressemble la grosse bune? Ah, oui. Et à l'intérieur, c'est quoi? C'est des vrais soldats à l'intérieur? Ouais, c'est des vrais soldats à l'intérieur de la bune, hein, par rapport à la bune moyenne, où c'est des... je crois que c'est un peu des totos, les mecs qui agressent. Comme il dit, c'est une forteresse. C'est quoi qui est au top, excuse-moi? Le son, ah oui, oui, d'accord, oui. Ah oui, 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 c'est moi qui te pose la question et j'oublie, quoi. Cobaye d'archer. Hop. Allez-y, les mecs! Faites-moi vibrer ce navire. Flambant neuf. Bon, par contre, ça aurait été pas mal que les Japonais inventent la voile aussi. Ah oui. D'accord, et elle est où ma bune moyenne? Ah oui, c'est celle-là, c'est ce bateau-là. Alors... Ah oui, d'accord. Non, oui, alors une bune moyenne, c'est bon. D'accord. Du coup, la bune de, pirate, on la virera aussi. On va mettre en x3, hein, parce qu'on va pas perdre de temps sur cette bataille. Elle est gagnée déjà d'avance. C'était juste pour voir à quoi ressemblait le bateau, le beau bateau. K. Ah, merde. Mince. On peut pas... Ouais, non, on peut pas prendre la place vu qu'il n'y a pas les... C'est pas des canons... Hop. La caméra, elle fait nappe. Alors, les buts moyens sont aussi des katanas. Ça, j'ai lu. Juste jouer but moyen plus 5 cobayes d'archer, c'est good. Tu tires en même temps avec les 5 cobayes et les flèches enflammées. Tu fumes tout, ça one shot. Ouais, 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 ouais. C'est dommage quand même qu'ils aient pas le tir enflammé, quoi. Enfin, il y a combien d'archers, on a dit? Il y a 80 archers, les mecs. C'est la bune du samouraï, du shogun. Les gars, ils ont pas de flèches enflammées. Pourquoi, heureusement? Moi, je suis pas d'accord. C'est moi qui l'ai, ça devrait être fort. Sinon, ça serait trop cheaté. Il y en a qu'une seule après, hein. C'est... Enfin, on est d'accord, je peux pas en recruter d'autres, hein. Oui, bah voilà, ça peut être fort un peu. Allez hop. Mais j'ai l'impression que... Mais c'est un peu plus dur à enflammer les bateaux, hein, t'as vu Et tu peux la recruter si tu la perds à condition de posséder le port-port. Oui, 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 ça je m'en doutais bien. T'as vu, là, le bateau pas en feu, hein. Ah, quoique, peut-être. Allez, du nerf. Ah, c'est 5, tu m'avais dit. Oui, 5 pour foutre le feu, d'accord. Non, mais là, de toute façon, il y a le feu, hein. Alors, encourager la flotte. À quoi ça sert? Les certains navires de commandement peuvent d'autres bateaux, augmentant ainsi leur attaque en mêlée, leur compétence de leur rechargement et leur précision. Oui, d'accord. Mais pas leur vitesse. Oh là là, mais du coup il va fuir.
Revenez là. Venez voir mon beau bateau. Allez, sérieux, il se tire là. Non mais c'est vrai que ça fait très ville flottante quoi. Hop, on améliore la précision et le rechargement. Ça y est, il tire. Par contre, avec ce gros bateau, personne ne fuit. Oui. Tu vois, un truc qui aurait pu être marrant. Tu vois, là, on chipote, hein. Et pourquoi le navire du Shogun, tu vois, il n'aurait pas des fusillés, par exemple, dessus? Ça pourrait être marrant, ça. Parce qu'il y a les premiers fusillés. Même si les archers tirent plus loin. Historiquement, c'était possible. Bah oui, puisque dans le jeu, de toute façon, historiquement, on peut recruter les premiers arquebusiers. Et on est sur le navire du Shogun, donc... oui, bon, après, là, c'est pour ça. Là, on chipote, on parle d'un jeu qui est sorti il y a longtemps. D'ailleurs, j'ai regardé un peu les modes. Enfin, j'ai regardé un mode en particulier, et peut-être que je vais refaire une campagne... je vais refaire une campagne modée. Après, je vais voir les autres modes qu'il y a. Je vais peut-être pas toucher à des modes qui touchent les unités, mais par contre, des mobs de cartes où j'ai vu où les. Ouais, voilà, des villes, surtout les villes. Moi, les unités, je suis pas trop chaud pour ajouter des unités. Mais alors, les modes des nouvelles cartes de ville où j'ai vu des maps de ville, elles sont trop belles. Oh là là, ça donne trop envie, quoi, avec des défenses, elles sont... Là, tu te dis, ouais, genre, c'est pas juste... C'est pas juste... Ils ont pas juste posé une ville au milieu de la pampa, quoi, genre... Non, il y a des... Par contre, attention, bug. Ouais, c'est pour ça que je veux pas trop modder. Alors ça m'énerve, ça, par contre. Hein. Ça, c'est... Je crois que c'est le truc qui m'énerve le plus dans le jeu, c'est... C'est quand les navires se cassent, quoi. Bon. Là, on a quoi? Hop. Allez, on va aller foutre le feu à ça. Ouais, non, hop. Du coup, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a une incendiaire. Bune moyen Wako. Voilà, ça on le vient. Sabordage. On te met là-dedans. Toi, tu vas là. Et on répare. Ouais, je verrai. Déjà, il faut voir comment le jeu se mode. Donc, maintenant. Donc là, on est le Shogun, hein. Hostile, division du royaume. Oui. Toi. Attends, sérieux, là? Il a step up comme ça, comme un dingue, là? Omi? Le mec, il a deux provinces, là? Demande d'alliance. C'est inacceptable. Bah écoute, on va lui casser la tronche à celui-là. C'est qui? Il a pas d'allié, je suppose, vu qu'il est tout nouveau. Il a juste des ennemis. Eh ben, écoute, on va aller prendre sa ville, hein. Regarde ton renom dans la page des objectifs. Je pense qu'il a toujours pas bougé, hein. Tac. Ouais, je suis toujours encensé. Bon, tant mieux, ça veut dire que je sens bon. Et vous? Vous voulez pas devenir demande d'alliance? Que vos mots flottent sur la brise, ils pourraient bien frôler mes oreilles. J'ai pas d'enfant, d'accord. Arranger un mariage. Je te propose ma fille. Et je rejoins ta guerre contre E2. Ouais, non. Bon, bah on va déclarer la guerre, hein. De toute façon, on a que ça à faire.
Let's go. Ici, on est content. Eh oui. On recrute de nouveau un Metsuke. On recrute un moine. Vivre dans l'éveil est le bonheur parfait. Mais le partager avec le peuple est un cadeau encore plus important. Les moines inspirent les armées et les généraux. Et peuvent inspirer aussi une population. Ah, ça sert à faire des rébellions, le moine. Waouh, faut que j'en fasse plein. Là, on recrute full agent, là, pour l'instant. Alors, excuse-moi, regarde le renom, encore une fois, ouais. Alors, la gestion du clan, voilà. Est-ce que tu veux voir quelque chose en particulier? Moine, Metsuke, Ninja, Geisha... Moine? Ça a augmenté? Ah ouais? Après la capture, ok. Ouais, ça veut dire qu'ils vont sûrement... À un moment, ils vont tous encore péter un plomb, quoi. Ok, ici, qu'est-ce que nous avons? Une petite armée. Là, je pense que je vais redéclarer la guerre à ces mecs-là. Ouais, il me reste 7 tours encore pour leur déclarer la guerre, donc... C'est eux qui vont prendre. Et je vais aller titiller ces mecs-là, là. Est-ce que je peux recruter quelque chose? Oui, je peux. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, on peut recruter ça. C'est fort, ça. Ces ninjas sont virtuellement indétectables au combat. Virtuellement. Maintenant, ça doit être plus cool de jouer Oda et Hattori. Ouais. Ouais, je pense qu'ils ont peut-être calmé le jeu parce que ça devait être difficile. Ninja Kisho, c'est fort ou pas? Ils sont combien déjà? Ils sont 45. Je te donne en 1000. C'est nul. Ça fait du TK à fond. Gobelin fanatique. Ah oui. Oui. C'est très fort, oui. Mais je pense qu'on va peut-être faire des juste deux Nagita. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Ouais, on va peut-être faire deux Naginata. Histoire que l'armée de défense de l'île, elle soit costaud s'il y a une armée de une flotte. Après, là, j'ai une flotte qui défend assez bien... qui défend l'île, pour l'instant. Je vais refaire une flotte pour aller chercher peut-être du pognon, là-bas. Putain, il y a eux aussi qui sont bien, là, pour aller chercher ça, là. Ce petit... le détroit, là. Tu attaques par devant et tu envoies directement des ninjas pour capturer le drapeau. Ah oui, oui. Oui, puis en plus, les ninjas de souvenirs, je crois que... Parce que pour, si c'est pareil... Ah, ça y est, Ojum déclare la guerre. Oui, parce que je sais que les samouraïs dans Fall of Samurai, ah bah c'est eux qui me déclarent la guerre, bah voilà. Dans Fall of Samurai, ils peuvent grimper sans perdre. Ah, ils vont me prendre ça. Est-ce que tu y arrives? Oui. Ah bah ils... ouais, c'est indéfendable ça. Hop, on va la récupérer au prochain tour. Voilà, trahison, tout le monde me déteste. J'aurais pas dû faire ça, c'était une erreur.
Super. Les deux armées n'avaient pas la portée. Je vais essayer de faire le territorial. Non. Je vais juste recharger parce que j'ai pas fait attention. Non, non, je recharge, t'inquiète. Puis on va faire le tour. Franchement, pour une erreur bête et méchante comme ça. Hop. En vrai, là je pourrais aller mettre mon armée ici, histoire d'eux, mais bon. Allez, on va se la faire réglo. Peut-être ils vont même pas. Si, bon, voilà. L'avantage de pas jouer en légendaire. Alors. Ah bah il m'a pas pris ma ville du coup. C'est marrant ça. Oula, ici je peux recruter du monde là. Hop, voilà. On va recruter un peu de monde. Et ben on va y aller. Ah bah oui, bah bien sûr. Ouais, j'y avais jamais pensé à ça. Oui, c'est vrai, trop l'habitude de jouer avec Warhammer. Hop. Et on va faire des tavernes partout là où on passe pour l'ordre public. Alors, toi, qu'est-ce que tu proposes de faire? Soins communauté, ce augmente le bonheur. Et dans une armée. Non, dans une armée. Toi, sors deux secondes là pour voir. Ceci augmente le moral d'une armée sur le champ de bataille et réduira les actions. Ah, c'est pas mal ça. Ouais, bah oui, c'est sûr. C'est sûr que ça change beaucoup de choses de pouvoir avoir des armées en fait qui sont dissociables. Bah écoute, on va te mettre un petit moine à toi. On va recruter un nouveau moine, on ne peut pas. Ici. Je peux pas réparer. On va te sortir. Et on va rester en défense, je pense. Ah, ici, on a des Wako, ils vont pas m'embêter. De toute façon, on peut plus me mettre de la pression comme ça. Hop, cette armée-là, on va la sortir ici. Comme ça, je pense que de là, elle va pouvoir zoner 1, 2, 3, les 3 régions. Et on avait dit qu'on allait recruter des lances, mais bon, tant pis. On va retourner là. On va retourner à Kyoto. Je pense que là, ça va être nos cibles, hein, ici. Hein. Ouais, ça me paraît bien. Alors, ce ninja-là. Hop, il va aller voir ce qui se passe là-bas. Toi, tu vas pouvoir me faire une citadelle surveillée ici. Un peu plus loin. Oh là là, c'est le bordel ici.
Par contre, à réparer ça après, on va être peinard. Hein. Oh ouais. Je pense que là, le but augmente le niveau de surveillance de. Alors, augmente le niveau de Metsuke sur surveillance de ville. Oui. Oui, c'est ce que je focus avec les Metsuke, c'est ça. Hop. Ah, d'ailleurs, attends, j'ai un ninja en plus ici. Hop. Établir un réseau criminel, le temps que. De toute façon, il peut aller que là. Là, il y a du monde dans cette ville. Hein. Agent, ici, le Metsuke, il reste. J'aurais bien voulu recruter un autre moine. Ah oui. D'accord, j'avais pas vu que j'avais encore du niveau. 3% de chance de succès critique. C'est ça qu'on veut. Toi. Voilà. Et le Metsuke. Arrestation. Ouais, arrestation. Au cas où qu'il y a un ninja qui passe, surveiller les villes. Et ben voilà. Ici, on est d'accord, on répare. Non, bah je pense que tout est ok. Ah là, j'ai un Metsuke qui traîne là-dedans, donc on va le faire sortir ici. Et on va reculer la flotte ici. Et sur c'est tout aussi, bah j'ai dû le rater alors. J'aurais dû regarder sur ma liste. Oh putain, une petite armée. Ouais, va falloir que je crée des petites armées à gauche, à droite pour défendre les villes. Sabotage. C'est une grosse armée, oui. Ici, on recrute. On recrute des lanciers. Et des archers. À Kawasaki, on recrute des archers. Et là, des lanciers. Cette petite armée, elle va défendre la ville ici. Là, on a une grosse... Bon, on a... Qu'est-ce qui nous attaque avec ça, là? Il joue à quoi? Dommage, je peux pas rentrer dans la ville... Dans les arbres, là. Alors, qu'est-ce qui se passe par là? Tac-tac, une armée... Ah, ce moment tant attendu, on voit en fait ce qu'on attendait sur le stream, c'est que je me fasse déglinguer. Après, ce qui est bien, c'est que maintenant, j'ai plus besoin de défendre mes... J'ai plus besoin de défendre mes ports, enfin, mon commerce. Ah merde, c'était surveiller les armées. J'ai été trop vite. Surveiller les armées, surveiller les villes. C'est bon. Là, j'ai un peu d'argent, donc je vais recruter ce dont... Ah, quoique. Ouais, si. Parce que je sens que ça va arriver de partout, là. Je sens que ça arrive de partout. Là, j'ai pas mal d'argent. Est-ce qu'on sait, on nous dit à plus 1 de recrutement dans toutes les provinces, c'est normal. C'est pour ça que je me disais, c'est bizarre que je puisse avoir comment bah 2 de recrutement en fait. Plus 1 loader de Daimo, plus 2 de bonus. Ok. J'avais pas vu mes bonus. Ah oui. Ah, je l'avais pas vu, lui. Oh non, merde. Je vais trop vite, je...
Je vais trop vite. Oh là là. Oui, j'ai vu. Ah là là, il y a toutes les armées qui... Ça y est, c'est l'enfer. Ça y est, c'est l'enfer. Bon, les pirates qui m'aident. Alors. Ah là là, ça y est, il y a tous les totos là qui sont là. Là, ils m'ont ramené tous leurs agents tout pété là. Alors toi, là j'ai vu qu'il y avait un super ninja. Si jamais ça passe. Voilà, toi t'es capturé. Déjà, c'est bon. Quoi? Oh là là, quel enfer. J'aurais dû faire aussi des petits bonhommes là. On va ramener ça par ici. On va ramener ça par là. Là, j'ai mon agent. Ninja, le moine Mitsuki, ouais. Allez. Capture manquée, oui. Franchement, ça serait passé. Ça aurait été très bon. J'ai vu qu'il y avait des bateaux par là. Voilà, j'avais bien vu. Oula. J'ai vu, bien vu, oui, effectivement. Toi, tu vas t'occuper des pirates Wako et après on va faire la grosse bataille navale. Et on est parti. Alors, des Sangokebun. Sangoku. Kobaya d'archer. Beaucoup de Kobaya d'archer. Surtout, oui. Alors. Oui. Focus, tire sur une cible. Mais là, je crois que j'en ai 5 et pas 4. J'en ai 4, mais pas 5. Donc, je sais pas si ça va faire. Ah oui, du coup, tu veux dire, il faut vraiment qu'ils aient déjà tiré une salve de flèches, vu que ça doit être synchro, une salve, et ensuite j'appuie sur feu, enfin sur flèche enflammée, pour être sûr qu'ils mettent la sauce. Toujours plus efficace. Attendre. C'est bon, j'ai eu peur, j'ai cru que j'allais me taper une pluie. Que de la pluie. Hop. On va jouer avec ça, là. Et je micro-gère beaucoup les Kobay. Les Kobaya, oui. Hop. Ah oui, c'est vrai, il y a ça, là. Les mines qui servent à rien. Les mines de la déception.
Est-ce qu'ils bougent, nos amis? Non. Ils nous attendent, donc on va aller faire comme d'hab, on va aller taper sur le flanc, hein, comme ils sont... comme ils sont mongols. Y a pas de... on sait le vent? Y a la notion de vent dans le jeu là? Ah, je pensais que c'était le nord, moi. Oui, c'est vrai que à quoi ça sert de savoir le nord? Je suis con. Ouais. Ouais, voilà, t'es content, t'as le nord. Ok, d'accord, y a le vent. Parfait. Je m'étais posé la question tout à l'heure, c'est... tout à l'heure. La dernière fois. Non, attends. Trop juste, là, le... Ce qui est bien, c'est que l'IA se pose pas du tout de questions. Hein. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, je ne sais pas. Si, mais dans Napoléon, c'est clairement bien indiqué, le vent. Enfin, je sais pas, c'était... Dans mon souvenir, c'était mieux... J'avais tout de suite compris. Après, peut-être que là, c'est juste que... Bon. Oui, mais... là, clairement, normalement, il devrait changer sa disposition de bateau, hein. Ah, ça y est, il bouge. Hop, toi, tu viens à foutre. Le zbeul. Là-dedans. Tu le désingues un par un. Ouais, c'est ça. Par là, par là. Ah, ma cobaye à l'archer qui fait n'importe quoi là-bas. Allez, go. Hop, fouette, fouette. On va quand même les poser, hein, ça serait bête de... Non, non, mes cobayes d'archers qui vont directement dedans, là. Tirez-moi là-dessus. Bon, pour l'instant, ça se passe bien. Là, ils vont avoir le vent pour eux. Ah, mais ils me contournent par là-bas. Je n'avais pas vu. Donc là, on va pouvoir récupérer les flèches enflammées. On va les faire venir là et on va utiliser les... Ah oui, les tambours de guerre, c'est vrai. Là, boum! Voilà, bah exactement. Ça a tout de suite fait flancher. Attention, les mines sont là. C'est toi que je veux. On va aller chercher gentiment le reste pendant que... Bah, en fait, on s'en fout du reste, là. Et là, on va les laisser partir. Ah, on voit les mines, là. Elles sont sur la carte.
C'est bien ça, j'avais pas vu la dernière fois. L'IA a bugué, ouais, j'ai l'impression que l'IA bug souvent, hein, sur... sur comment... sur les batailles navales. Non, 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 par là. Hop, hop. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Bah, on va aller chercher les cobayes d'archer, hein. Allez. Aborder. Aborder. Toi, tu viens ici. Et vous, vous venez là. Les autres se sont littéralement tirés. Ah oui, c'est un bug, d'accord. Moi, je pensais qu'elle essayait de fuir, en fait. Bon bah. Écoute. Hop, on les approche, ceux-là. C'est vraiment rare que j'ai assisté à une bonne gestion de l'IA sur les... Ouais. Là, par exemple, tu vois, je comprends pas ce que fait ma barge, quoi. Genre, clairement, même les miennes, c'est pas... Non, par contre, on fait pas de... On n'assèche pas ces barges-là. Tu vois, qu'est-ce qu'elle fout en arrière, encore, elle? Par là. Encore une fois, ça fait 3 fois que je lui demande de venir ici. On sait pas ce qu'elle fait là. Eh, il passe pas la meilleure vie. Hop, un petit cri de guerre là. On va accélérer, maintenant on sait que c'est plus ou moins gagné. Allez, rattrapez-les. Ah oui, impossible que je les rattrape avec leur voile là. Oui, 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 c'est vrai, excuse-moi. Alors, tiens, hop. Hop. On va aller voir là. Parfait. Ah, il m'assiège. Ouais, parfait en plus. Enfin, il m'assiège, il m'aborde. Attends, je fais. Le feu. On va faire le feu sur eux. Oui, alors, comme du coup. Qui se fait aborder? C'est toi. Tac, tac, tac. Pourquoi je peux pas? Allez-y, là, go. Parce que là, elle a déjà laissé tomber en fait, donc je vais pas foutre le feu là sur celle-ci. C'est vrai que le feu, il a un comment tu peux le faire très souvent. Ah mais non, mais ça c'est un de mes bateaux, je suis con. C'est pour ça que j'arrivais pas à l'attaquer, le Mongol. Bon, ça y est, tu me laisses tranquille là. Le problème, c'est qu'il y a ces bateaux-là, là. Il va falloir aller les chercher aussi.
On va... Merde. Ah, dommage. Dommage que tu bugs. Hop. Eh ben écoute, ce qu'on va faire, c'est que nous, on va aller chercher les bateaux pendant... J'espère que tu que ça va se régler pour toi. On va aller chercher les bateaux un par un. Regardez là. Ces Japonais, ils pensaient pouvoir aller voguer au large, mais c'était sans compter sur le mur invisible. J'arrive à voir. T'arrives à voir des. J'espère qu'il n'y a pas de problème pour ton PC. T'as des frises de 30 secondes? Merde. Bon, sinon, c'est une bonne bataille de. De fait, hein. On va foutre le feu à cette barge encore là. On va attendre que celle-ci se mette en position et. Et let's go. Allez. Non, toi tu veux pas tirer. C'est triste. Ah oui, carrément formaté ton disque. C'est peut-être un virus, mais ouais. Ah, j'espère pour toi que c'est pas ça, c'est chiant et tout. Voilà, 2-1. Ensuite. On passe aux autres. Il vaut mieux que je save mes fichiers quelque part. Ouais, c'est mieux, ouais. Le feu! Voilà. Trop tard. Il est tombé. Car sinon, ça veut dire que mon disque est vraiment mort. Alors. Ah oui! Ouais. Après, des fois, des salles. Oui, oui, c'est vrai que si tu le formates, il n'y a pas de. Enfin, j'espère qu'en le format en faisant la save, tu vas pas récupérer le comment le virus. Enfin, tu sais, l'emmener au pas. Ouais, je sais pas s'il y a de bonnes affaires en ce moment sur les PC portables, c'est pas trop le moment puisqu'il y a le comment. Je sais pas si les ordinateurs ont été touchés par. Par tout ce truc là autour des cartes graphiques, la montée des prix. Je sais que les mineurs de crypto-monnaie, ils sont passés aussi sur des ordinateurs portables. Ils ont commencé à se rediriger vers les ordinateurs portables. Qu'est-ce que j'ai perdu? Comment j'ai fait pour perdre 2 cobayas d'archer? Non mais sérieux. Bon, j'en récupère 2, ça va. Mais c'est... N'importe quoi. Donc on a reperdu Omi. C'est chiant. Et là il va aller direct à ça là. Ouais. Bon, on va voir.
En espérant que Hojo ne vienne pas directement sur cette ville là. Comme ça Yamato pourra servir de tampon. On croise les doigts. Tu as mis terminer la bataille? Oui, j'ai mis terminer la bataille, ouais. Ah, le voilà, le Takeda. Armée sabotée, oui. Tentative d'assassinat. Jugé, exécuté. Oh là là, c'est le bordel. Alors, ici. Je peux pas le capturer. Capturer. Allez, vas-y. Sérieux? Mais je suis comment alors? Ça c'est d'une tristesse, je suis en train de perdre parce que je suis en train de perdre parce que les agents sont en train de me ruiner les miens quoi. Hop. Allez. C'est le Daimyo ça? Eh bah tu vas voir, tiens, le Daimyo. Trash, je sais pas si je continue à descendre ou pas. Ouais, si, il faut que j'y aille. Hein. Ici, ouais, un monastère, ça me va bien. Ah ouais, non mais... Et voilà. Paf, 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 les agents se font déglinguer. Bon. Les Takeda, ils vont se prendre une... Ils vont se prendre une petite rouste, là. Ronin Archer, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, les armées mobiles, ouais, je recruterai là-bas. À Bizen, on recrutera les armées parce qu'il y a une forge. Et Ronin Archer supérieur à Samouraï Archer, d'accord. On recrutera à Bizen, on disait, parce que à Bizen, il y a une armurerie qui buff, en fait, les troupes qui sont recrutées dans cette région. Et les buffs sont en fonction de comment on fait évoluer l'armurerie. Ça peut être soit des buffs pour l'infanterie de contact, soit sur l'infanterie à distance. Et ça fait une heure qu'on est en live. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire, ce cher général? Est-ce qu'il va toujours parler qu'on est la flèche de notre daimyo? On est toujours la flèche du daimyo. Bon, après, on est chez Shosokabe, hein. Il n'y a pas de... Bon. Je les mets là, et on va voir comment ça va se passer après. On va voir par où ils arrivent. Ok. Quand ils arrivent de partout, j'aime pas trop... dans la zone du bas, je préfère même laisser les tours. Alors, on en a... Qu'est-ce qui arrive par là ?
Alors, on analyse un peu ce qui se passe. On va faire des groupes de deux. Là, on a une, deux troupes. Tac. Et voilà. Et toi, tu vas tenir ici. Maintenant, les archers. Première ligne d'archers. On va faire le tour comme ça. Deuxième ligne d'archers. Hop. Ils vont pouvoir s'éclater les archers. Tu as plusieurs options pour la forge. Moi, je pour forge d'armes et plus une caserne de morale. De morale, ouais. Ok, bon, je verrai. Forge d'armes, c'est pour les unités de contact, du coup. Quoique, attends, ici, on a quoi? Ouais, c'est de l'infanterie. Les archers sont là. Donc, c'est... Ça doit se la jouer. On doit se la jouer comme ça pour pas que nos. Pour pas que nos Yari y soient touchés. Hop. Et voilà, ça y est, ça commence. Et vous, vous allez pouvoir. Bah attendez, là il y a quoi? Il y a quoi qui accompagne? Ah, il y a quand même des Yari. On va les faire sortir par là et dès que les Yari seront trop avancés, on va les charger dans les katanas et tout ça. Ah ouais, tout! Ah, ils passent pas leur meilleure vie, eux. Hein. Oh là, eux, pas du tout. Eux, ils passent pas du tout leur meilleure vie. Alors, c'est comment l'escalade? Ça fait mal. Hein. Ça, c'est quoi ici? Des samouraïs Yari. Hop, on charge là-dedans. Allez, tenez les katanas. Boum. Oh, par contre, faut qu'on s'enfuit, en fait. C'était pas le bon plan. Quand tu connais bien la map, tu sais quoi faire, ouais. Ouais, là par exemple, oh ça va, on a de la chance. Ici on a des... Ah bah voilà, c'est ce qu'on disait, on va les reculer parce qu'ils sont pas à portée des... Ici on a samouraï, et bah voilà, c'est ici qu'il faut charger. Samouraïs ici. Les Yari, ils retournent par là. Là, c'est des Yari, donc il faut s'enfuir. Hop, on en profite pour faire une petite charge au calme. Et on s'enfuit. Comme ça, on les fait un peu tourner, les gars. Les archers samouraïs sont en train de prendre vraiment la max. Pendant que eux, ils vont se faire tirer dessus par les archers, pendant qu'ils vont chercher à avoir les cavaliers. Puis dès qu'ils vont être trop près, ben, on s'en va s'enfuir. Et vous, vous allez vous mettre là, mais en marchant. Mes archers ici, ils ne servent plus à rien.
Je vais mettre les flèches enflammées tant qu'à faire. Ça fait plus de dégâts. Allez, on y va en courant là maintenant. Merde, c'est 4. Hop, vite, barrez-vous. Il y en a encore qui arrivent là ? Ah bah c'est le général, on va se mettre là. Ici ça tient. Là c'est bon. En vrai toi tu vas pouvoir te mettre là. Parce que eux maintenant ils arrêtent, ils interceptionnent... Ils vont bloquer les Yari qui ont complètement perdu le moral de toute manière. Non bah c'est gagné. Takeda ont perdu. C'est ça qu'il faut aller faire et là faut aller tuer les généraux là. Allez. Quand tu connais bien la map, tu sais quoi faire. Oui, ça je l'avais déjà lu. Ouais. Là, je vois qu'il y a un général. Allez me le tuer. On passe en x3. Là-bas, ça sert à rien de leur courir après. Ils sont déjà loin. Allez. Ah, les cavaliers, ils avaient chargé aussi. Non, bah, c'est une belle victoire, ça. On finit les unités qui peuvent m'embêter hein, plus tard. Hop, celle-là je sais que je les attraperai quoi qu'il arrive. Ici on a quoi? Samouraï Katana, ça peut être énervant. Hop. Hop. Et c'est gagné. Ouais, ça rend bien. Bon là, c'est clairement la boucherie. Hein. Bah, c'est vrai que l'avantage de jouer en, de faire des campagnes multijoueurs, c'est que quand tu dois pas te battre, par exemple, tu dis ce coup-là, tu l'as fait tout seul, je t'aide pas à micro-gérer les unités, tu peux faire des beaux plans, tu peux te la jouer caméraman. Bon alors, voyons voir un peu. Eh ouais, hein, les archers qui ont fait le taf. Allez. Rentre chez ta maman. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est qui eux? Ah, ça doit être des... Jugés exécutés, allez. Comment ça manque de nourriture? Pourquoi manque de nourriture? Ah, c'est l'hiver. C'est ça, hein. Je crois que l'hiver, il y a moins de nourriture. Ah bah oui, non, c'est ça.
C'est ça, en fait, qui fait que je suis en manque de nourriture. Ah, puis alors, le truc à réparer, ça coûte le prix d'un bâtiment, quoi. Ah oui, à Yamato, oui. Mais je crois que je peux pas recruter de moines parce que j'ai pas de. Il faut que je fasse un truc pour moines. Ça, c'est une armée rebelle. Mais oui. Donc, on attaque l'armée rebelle. Bah, on va attaquer Bizen alors. Si j'en fais un vassal, ça va compter plus 1 pour les comment pour ma campagne, on est d'accord. Ah mais non, mais c'est Bizen. On se pose même pas la question. Oh là là, quel bordel là-dedans. Alors toi t'es dangereux. Il me semble que non. Ouais, c'est pas comme dans les autres jeux. Où les alliés comptent comme... les alliés comptent. Dans ta enfin... Dans les provinces contrôlées. Dans ta domination. Hop, sauvegarde rapide, résolution auto. On a perdu une cobaye d'archer, bon ça va. Non, toi... Pour l'instant on va se débarrasser de ça parce que j'ai pas la flotte pour aller chercher la commande. Pour aller chercher le commerce. Mais alors vous voulez pas vous battre? Vous me déclarez la guerre mais vous voulez pas vous battre? Quoi? Il y a du monde là. On va se la tenter. Alors, techniquement, ils sont censés arriver à l'opposé de moi. Je suis pas débile. Sauf que dans ce jeu-là... Pourquoi j'ai fait une sauvegarde rapide? Parce que des fois, j'ai l'impression que ça pop, mais alors de manière complètement aléatoire sur la carte. Et comme il n'y a pas d'indication sur où arrive l'armée... Ce qui serait bien, c'est qu'elle arrive ici, là. Alors, commencer le déploiement, on est en sec. Hop. Donc, moi, je suis là. Donc, l'armée est censée arriver ici. Est-ce qu'on va à sa rencontre? Est-ce qu'on va pas... On fait pas un rush et on l'attend? Et c'est nous... c'est eux qui se prennent l'assaut. Parce qu'il n'y a personne dans la... Il n'y a personne dans le truc là. Si je me souviens bien. Enfin, il n'y a personne, il y a 3 unités quoi. Après, ça va être un peu la galère parce qu'il va falloir monter au truc et tout ça, mais... Je pense que ta position est en bas. Et eux arriveront en haut à gauche. Ouais, et pour moi, ils arrivent par là, là. Ici, là. Et là maintenant la question que je me pose c'est est-ce que je fais pas un rush monstrueux vers la forteresse? Je prends la forteresse. Et c'est à eux de grimper ensuite. Ouais on va faire ça. Alors là attention l'attente. Là c'est un plan... c'est un plan osé hein. Hop. Ils vont arriver au combat, ils vont être crevés, mes troupes.
Ah, eux, ils ont ça, second souffle. Qu'est-ce que ça fait? Il réduit la fatigue de l'unité active et affecte jusqu'à 3 unités. Ah ouais. Ouais, ça c'est bien ça. Ah ouais, c'est fort ça. C'est très bon avec du coup de la cave, ça permet de d'avoir une cave qui est assez solide moralement et qui perd pas son souffle quoi. C'est parti, allez, le rush. Ils sont derrière. Non mais regarde, regarde le truc de débile. Qu'est-ce que je disais? Stop! Arrêtez d'aller là-bas! Hop! Oh la mêlée générale quoi! Mmh. Bon, on va la refaire hein. Voilà, c'est à... quand je disais que c'était aléatoire, c'est complètement aléatoire hein. Genre dans quel monde ils arrivent ici dans mon dos. Bon, attendez, on va la refaire. C'est pas trop mon style mais bon. Quel enfer. Toup, toup, toup. Tu vois, c'est un des trucs que je trouve dommage dans le jeu. C'est vraiment, c'est juste ne pas savoir où arrive. Bah, tu vois, c'est pas normal quoi. Derrière moi, il y a personne. Il y a vraiment personne quoi. Genre, c'est. Ah, et ma commande de Wizbot ne marche pas du tout, hein. Il veut pas me mettre. Sur la carte de campagne, tu es à gauche. Ah mais il me place du coup là où je suis censé arriver de base. Ah oui, en fait, c'est eux qui te... En fait, ouais, c'est pas comme dans Warhammer où ils te mettent exactement là où tu t'es censé être. Donc, on va pas se faire avoir deux fois. Par contre, ça m'arrange pas parce que... Ils arrivent là... Attends, non. Si, ils arrivaient par là. Hein. Oui, ils arrivaient par là. J'ai un gros doute. Parce que ici, ça ralentit. Hein. Du coup, quand ils vont rusher, ils vont arriver avant moi. Ou sinon, je les attends. Hein. Maintenant que je sais qu'ils arrivent par là, on va faire ça. On va les attendre et on va les défoncer. Hein. Je sais pas. Parce que là, jamais j'arrive avant eux.
Ouais, ça va faire comme ça, hein. Ouais, là, le fort, il est tellement, enfin, il est loin, quoi. Ok, il est où mon dernier samouraï? Il est là. Et toi, le général, pas du tout ici, hein. Non, mais ils sont où, là? Maintenant, ils arrivent là-bas. Non mais c'est... Quoi? Oh là là, c'est n'importe quoi. Bon. On va les prendre là, hein. Je comprends rien. Le général qui fonce sur les murs de Yari, bah tant mieux. C'est un général, et bah tiens, tu vas voir le général là. Comment il va kiffer là. Que vous allez vous. C'est quoi là-bas? Samouraï katana. Là, c'est dommage parce que là, les archers là-dedans. Il y a cette armée là qui fonce droit sur moi. Aïe, j'avais pas vu que mes archers étaient pris dans la. Mais. Pas dingue ce que je fais là. Non, vous allez là-bas, vous allez là-bas. Je fais n'importe quoi. Vous. Notre général court un grave danger, monseigneur. D'où mon général? Ah super, j'avais pas vu. C'est quoi qui m'a chargé? Cavalerie légère.
Eux, ils ont pris place dans le fort. Et bah, pour une petite ville, c'est vite le zbeul, hein. Je veux bien que vous tiriez dessus. Que vous tiriez dessus. La cavalerie légère qui m'embête encore. C'est la partie du grand n'importe quoi. Ok, déjà on a fait une partie des renforts. Ensuite, qu'est-ce que nous avons là ? On a des archers samouraïs ici. Et c'est tout, c'est les seuls archers qui restent. Mes katanas sont encore bien, il y a juste lui qui a assez perdu un peu de monde. Hop. On va faire monter le général aussi ici. Qu'est-ce qui fuit là-bas? Non, et ça, on s'en fout. Juste toi, tu vas venir ici parce que tu vas pouvoir apporter ton bœuf au moral. Et bah, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va balancer des flèches dans ce bon gros tas de petits. Voilà, je pense qu'on peut dire que c'est le Hellfest. Ou je sais pas, la Paris Games Week aussi. Tunius, Tunius, un autographe, Tunius, vite! Ah, il est là! Y'a Squeezie! C'est Squeezie! Ah, on s'y croirait, hein! Alors, les archers, si vous voulez bien. Enfin, là aussi, c'est pas mal. Il y a du monde. T'as fait de belles images, hein, quand même. Hein. Pour un vieux jeu comme ça, hein, franchement, c'est propre. Hein. Est-ce qu'il y a les archers ennemis? Non, je pense que je vais les tuer, hein, les archers ennemis. Ah, évidemment. Je sais pas pourquoi ils ont fait voulu faire comme les autres, là. J'avais une unité full, et puis... Oh, ça m'énerve. Pour le cac, ouais. Ouais. En fait, à vrai dire, le seul truc que je voulais faire avec mes flèches, c'est ça. Flèche enflammée, foutre le feu au... à ça, là. Et après, je l'ai placé là, effectivement. Tant qu'à faire, oui, c'est vrai. Voilà. Maintenant, on se tire. Ouais, mais le temps qu'ils arrivent, les samouraïs, ça fait tellement de dégâts. Et là, boum! Voilà, c'était ça que je cherchais à avoir. C'est que maintenant, au mieux d'avoir 90 archers samouraïs, il y en a 16.
Et je vais pouvoir monter... Ouais, en fait, c'est quand tu fais exploser les bâtiments, ça fait genre de gros dégâts d'explosion sur les unités qui sont proches. Et dans Fall of Samurai, quand tu détruis les murailles, en fait, faut pas tirer sur les unités, faut tirer sur les murailles. Et quand il y a des unités qui sont dessus, bah genre au mieux d'en tuer genre 10 avec un boulet, bah t'en tues 40 d'un coup parce qu'ils explosent et c'est la mort assurée. Ouais, voilà. Du coup, tu sais. C'est là qu'il nous faudrait un mangono. Je crois qu'ils sont plus précis si c'est pas la max range. Voilà. Pendant ce temps-là, eux, bah, ils vont venir ici. Les katanas, ils vont venir ici. Ah ouais ? Genre, tu veux dire comme ça? Je vais arrêter le tir automatique. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire monter mes Yari. Et pour qu'ils fassent un gros paquet, et moi, je vais leur tirer dans le dos. On va dire les Yari viennent ici. Là. Une. Deux. Trois. Vous allez juste monter là pour aller finir les derniers samouraïs. Hop. Les katanas, ils vont monter sur le côté. Pour ils vont monter sur le côté. Pour prendre de flanc. Voilà, ils arrivent. Et vous? Alors les pauvres premiers, ils vont moyen kiffer. Hein. Non. Erreur. Faites pas ça. Trop tard. Paf, dans les miens. Mon général, ici. Je sais pas si ce que j'ai fait c'était la bonne strat. Parce que là, mais ils ont déjà laissé tomber eux. J'aurais préféré qu'ils arrivent en mode mur de Yari là. Mais ils veulent pas. Mur de Yari. Yo mon général.
hommes fuient le champ de bataille. Quelle honte! Ils sont où là? Ouh, venez ici. Ouais. Là eux, ils sont bien en mode voilà, là c'est exactement ce qu'on voulait, ça veut dire que moi mes unités elles sont protégées des tirs de flèches pendant que eux ils sont en train de se prendre D'accord. Voilà, c'est parfait, ils se prennent tout dans le dos. Bon, par contre, j'ai plus de flèches. Arrêtez de tirer, je pense que c'est bon pour l'instant. Ils n'ont pas du tout arrêté de tirer. Alors, eux, il leur reste des flèches. Vous, il vous reste plus de flèches, vous. Hein. Là, je pense qu'il peut retirer. Vous, vous avez plus de flèches. En vrai, ils tiennent bien hein, les Yari là dans le. Bon, il doit faire chaud là. Hein. Il y a encore du monde hein. Ils sont où? Cavalier katana. Cavalier. Il est là. Non, attends. Ah si. Non, il n'y a plus de. Ouais, ouais, les généraux, généraux sont morts, il reste plus que les vassaux samouraïs qui étaient là déjà de base. Ouais, ouais, mais je pense pas que j'arrive à faire ça. Il y a quand même des. Enfin, ça reste que des samouraïs. Leur morale tienne que par le nombre. Ouais, ouais, je sais. Et le fait que ça soit aussi des. Les comment. Aussi que ce soit des unités comment. Enfin des soldats de guerre quoi.
Attends, ça c'est les miens ça? Ok. Vous y allez là. Allez-y. Hop. Hop. Rallye. On encourage. Enfin, il y a encore beaucoup de monde, hein. Après, ça vacille, hein. Là, les katanas arrivent, ils vont pouvoir faire le taf, je pense. Hop. Par contre, vous, j'aimerais bien que vous montiez. Ah putain, voilà. Merde, du coup, les katanas, ils vont se prendre les charges. Juste vous attaquer. Putain, bah c'était à ce moment-là que j'aurais dû garder mes flèches. Et bah, ça aurait été la bataille dont on parlera pendant des années. Ils ont encore du monde hein, derrière. J'aurais peut-être pas dû la faire celle-là. Parce que si je monte ici. Ils vont me déglinguer. Putain, le mec est tout seul. Et il est à fond, quoi. Non, mes katanas sont en train de fuir. Ouais, non, je pense que mes archers au corps à corps... Ok, bon, on va faire un truc, c'est qu'on va... On va battre en retraite. Hop. Champ de bataille. Quelle honte. Ça passera jamais. Bon bah c'est une grosse défaite, hein. Mais c'est comme ça. On peut fuir, hein. Ah non, on peut pas fuir. Ah si. Se replier. C'est pas... Oula. Je crois que mon ordinateur a crash. Ah. Non, c'est bon. Attendez, on va mettre... Hop.
Voilà. C'est bon, tout le monde est à l'intérieur. Oui. Ah oui, il en restait encore des flèches. Mais bon, ça aurait pas changé grand chose. Bon, en espérant qu'on puisse rejoindre une forteresse au moins. Qu'est-ce qu'ils font eux? Allô? C'est faut se replier. Oh là là. Nos hommes fuient le champ de bataille. Quelle horreur. Non mais. L'avantage qu'on peut se dire ici, c'est qu'on a intercepté quand même deux grosses armées. Maintenant... Ah, tu peux pas... Merde, il a pas la portée. La question c'est est-ce qu'ils vont nous attaquer? Ah mais là-dedans j'ai un petit bonhomme qui va pouvoir... Ah oui mais j'ai pas assez d'argent. Ouais, j'aurais peut-être dû faire comme ça, ouais, peut-être. Le pacificateur me conseillait de d'envoyer les katanas par la porte pendant que j'envoyais en même temps les Ashigaru par les murs. Alors... Restez là, vous êtes très bien. Ok, vous êtes où là? Toi t'es placé. Vous êtes là placé, vous. Ah ouais.
Hop. Hop. Et dès que vous pouvez, des flèches de feu. Aïe, je prends trop cher. Allez, détruisez-les moi là, ces archers samouraïs. J'avais pas vu qu'ils étaient en train de monter. Ah oui, non, je pense bien. Hein. De toute façon, il n'y a pas de méthode miracle. Hein. Alors, si tu cheeses à mort le jeu, je prends par exemple Légende de Total War, le pro de chez LOL. Ouais. Parti cette Hop. Vous avez plus besoin d'être en formation par contre. Ouais, après moi c'est pas forcément ce que je recherche. On s'en sort pas, hein. Ça y est, ça fuit.
Allez, t'as tiré. Ils font quoi? Ouais, c'est super. Du coup, au lieu de tirer sur les gars, ils se sont fait juste intercepter. Mais là aussi il y a des archers samouraïs. Putain, c'est, on va pas la gagner à grand chose hein. Là il fuit. Oh là là, mais... décidément. C'est généraux. Notre unité tout entière a péri, monseigneur. Ouais. J'espère qu'il n'y a pas une deuxième armée derrière tout ça, parce que sinon je suis dans la merde. Hein. Ils sont costauds là. Hein. Ah ben voilà, ça y est, c'est gagné. Ça, il y avait eux encore hein, qui montaient. Hein. Et bah voilà. Bon, on gagne, on garde quand même cette ville. À un moment, j'ai cru qu'on allait se taper deux défaites d'affilée. Enfin, attendez, le tour n'est pas fini. Ouais, comme quoi, quelques katanas, ça serait pas mal. Hein. Alors, Takeda. Takeda ne m'attaque pas, donc déjà, c'est bon. J'en ai pas vraiment besoin d'un général. Ah, quel enfer ici là. C'est une grosse armée ça. Oh là là, ouais. C'est une sacrée grosse armée. On va se refaire full l'armée là. Place les nouveaux généraux à des postes d'état. Ah mais oui, mais j'ai mes généraux à des postes d'état. Ah oui. Toi, lui. Toi. Non, ça c'est pas intéressant. Laurent. Ouais. Toi t'as un poste toi? Toi t'as quelque chose toi, t'es voilà, t'es conseiller militaire. Hop. Conseiller aux finances.
Voilà. Défends-moi. En fait, cette armée-là, elle va aller là, hein, directement. Parce que, ici... Oh, quel enfer. Bon, c'est déjà ça. Le problème c'est ça là, le surplus alimentaire qui est royalement aux fraises. Dans combien de temps je... Et j'ai ça en plus. Oh là là. Je sais pas où aller là. Peut-être ça. Non. Allez, on continue là-dessus. Et c'est combien pour réparer ça là? 2800. Bon. Allez. On peut peut-être essayer de demander la paix à qui? Non, moi. Ah non, moi tout le monde me déteste, hein. C'est fait. Hein. Bienvenue. Ouais, dis-moi. Oh non. Ah, j'ai oublié de recruter... Qu'est-ce que j'ai fait comme truc pour perdre autant d'argent? Toi. Ça sert à rien que j'en fasse autant ici. Tu peux envoyer une troupe de milices, de préférence une cave légère pour déplacement d'éclaireur comme attaque au mini par exemple. Et si tu as le champ libre, tu peux ramener le reste de l'armée. Ah ouais. Ah, je vois ce que tu veux dire. Ah, je vais faire ça après. Plutôt que d'utiliser un agent. Lui m'attaque quand même. Bon bah allez. Et du coup dans Shogun 2 il n'y a pas moyen d'avoir des châteaux un peu plus balèzes que ça là, à part celui de Kyoto. Si, mais faut monter beaucoup plus haut faut monter beaucoup plus haut le niveau de la ville. Ouais, c'est le niveau de la ville qui fait les murailles. Parce que là, c'est quand même des villes tiers 2 ou 3. Ouais.
Alors. Alors, nous avons ici. Là. J'aime bien les petites cases. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Là, nous avons les Yari. Ici. C'est ici le gros des troupes. Alors, j'en veux 3 là. Un ici. Ok. Ensuite. Là. Ça, c'est pas les... Oui, ouais, après quand ils ont plusieurs plateaux à monter, forcément. Ah, ils m'attaquent direct avec ça? Non, ils sont. Bon, bah, ça déjà c'est fait. La cave qui a pris méga cher. Oh. Oh merde, j'ai pas reculé ces troupes là. Tirer sur eux. Les katanas. Mince. Eux aussi, j'ai oublié de les retirer. Notre général court un grave danger, monseigneur. Mais non.
Alors, vous pouvez sortir maintenant. Et on va aller chercher les archers qui traînent. Donc, par contre, vous, le corps à corps, c'est pas trop votre tasse de thé, donc vous n'allez pas faire ça. Ça, c'est quoi, général? Oui, bon. Déjà, je pense que c'est gagné. Voilà, c'est gagné. Ça, c'est dingue, la différence entre... Total War Shogun et Total War Warhammer, c'est vraiment pas du tout le même jeu. Hein. La pression est dingue dans ce jeu-là. Pendant que Kyoto est en feu. Ah, oh bah alors là, on leur a tué le méga ninja. C'est bon pour nous. On va se barrer. Qu'est-ce qu'il y a, Bingo? Par contre, j'ai l'impression que les vassaux, toujours, ils sont à la ramasse niveau armée. C'est à croire qu'ils les nerfent un peu, quoi. Cette armée là, elle va pouvoir avancer. Ah, le général augmente de rang. Alors là par contre les généraux généralement, j'ai vu que ça c'est pas mal d'aller vers ça. Oui, oui, ça y est. On va aller chercher ça. Pour l'instant. Ah,
cet agent-là, est-ce qu'il y a un agent qui traîne par là, là? Non. Oh non. Si, il y a cet agent-là, là. Bah, allô? Bah, je peux pas l'assassiner, j'ai plus assez d'argent. Ok, bon, bah, adios. Voilà. J'ai vu ce que j'ai vu, mais j'ai pas vu. Embuscade. Non, bah... Refuser d'attaquer. La cavalerie légère. Où ça? Corrompu par l'ennemi, ça on l'a vu. Route maritime attaquée. C'est une grosse armée? Oui. Non. T'as bien un réseau criminel, voir ce qui se passe. Une armée qui arrive ici. La cavalerie légère, on a dit qu'elle allait voir ce qui se passait par là. Embuscade. Oh bah voilà. Eux, ils vont venir attaquer ça. Nous, on va aller chercher cette armée-là et on va descendre vers Bingo. Hein. Ici, ça brûle. Ici aussi, ça brûle. On peut voir où ça brûle. Alors, maintenant, il faut aller faire le ménage au niveau des navires. Déjà, ici. Oh, quel enfer. Ah, oh, j'ai pas envie de les jouer. Oui, mais de toute façon, le revenu du il est pas énorme. Genre, je crois que je dois gagner 150 ou un truc comme ça. Quoique. Non, je dis peut-être des conneries. On ira voir après. Et de toute façon, vu le nombre de bateaux qui sont sur ma route commerciale, je pense que... En fait, la grosse faiblesse du clan Shosokabe, c'est que tout le commerce se fait uniquement par bateau. Alors...
Terre et feu là-dessus. Alors, bon, bah, je pense qu'ils vont encore venir chacun à leur tour. Hein. Ça y est, vous tirez toutes. Allez. Le pire avec ce jeu, plus tu montes en la difficulté, plus tu dois supporter la partie navale afin de profiter du jeu, ouais. Et moi c'est pas trop mon délire quoi. Comme je l'avais dit, c'est vraiment la partie que j'aime le moins. Ah, c'est dingue, hein, les flèches enflammées, ça a zéro temps de recharge. Hein. Ouais, tu me l'avais dit la dernière fois, je me rappelle. Ouais, bah après, chacun son truc, hein, mais... Qu'est-ce qu'il vaut ? N'importe quoi. Allez, foutez-moi le feu de ça. Qu'est-ce qui... Alors voilà, que fait notre petit bonhomme là? Je ne sais pas. On lui prend la purée. Super. En fait, il est parti l'intercepter. Ah merde, on peut le réparer. Réparez-moi ça. Eux par contre ils ont pas besoin de 5 Sengoku enfin de Kobaya pour foutre le feu. Allez, balancez les grenades. Oui, tu laisses pas, oui. Toi, tu cries. Oh, il va vite là. Là. Il va très vite.
C'est bon, je l'ai eu. Au feu ! L'un de nos navires est en flammes ! Oh, le débile ! Il allait se coller contre le feu, du coup il a le feu. Et je peux pas le réparer, lui. Ouais, dans le vent ils sont imbattables, en même temps ils ont une voile. Après ils doivent réparer là parce que sinon ils vont cramer. Ça y est, ils ont laissé tomber. Foutez-moi le feu à ça. Par contre là ils ont pas le vent. Ils ont juste le feu. Toi par contre je sais pas où tu vas, c'est ici que ça se passe. Balancer les grenades. Et ça, les grenades, ça fait mal. Sauf si mes archers tirent sur mes grenadiers. Donc là, faut que je fasse continuer le temps que ce bateau-là se tire. C'est ça? J'ai pas beaucoup d'archers là-dessus, mais bon, le truc est en train de fuir. Ouais, si vous voulez... Non, vous tirez pas. Tant pis. Bon, bah apparemment... ils ont oublié de prendre les flèches. Je trouve ça dommage qu'on perde un bateau si on fait terminer la bataille. Alors que clairement ils sont tous en train de fuir là. Il peut rien se passer de grave. Alors, cobaya d'archer, cobaya d'archer, cobaya d'archer. Ben on en prend deux. Ok. Toi tu t'en vas. Toi tu vas là et on répare. Toi tu peux réparer aussi. Et on aura assez au prochain tour pour réparer enfin cette cette ferme. Alors. Oula.
Et il pleut. Beaucoup d'archers. On va pas pouvoir utiliser les flèches de feu là. C'est bon, là on a tous nos archers. Ah tiens donc. Ouais, vous, vous servez à rien. Donc, ici on a des archers. Ok. J'aimerais bien que vous tiriez sur ça là. Ça monte de partout. Qu'est-ce qu'ils font eux? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Ils font n'importe quoi. Ah mais non mais... Mais c'est incroyable tout vous. Hop, légère ce samouraï. J'ai retiré aucun de mes archers là. Mais c'est incroyable, mes archers qui veulent pas s'enfuir là. C'est quoi ça?
Je vais vraiment perdre cette bataille là. Ah puis il y a les ninjas qui font leur office là. Notre général court un grave danger, monseigneur. En fait, j'ai trop d'archers, je crois. Je crois que je suis un peu fatigué là. Je crois qu'on va la refaire parce que là, c'est pas... Non bah tant pis. Allez, ah ça me fait chier. J'ai vraiment envie... C'est dingue comment ils arrivent pas à tuer les samouraïs, ils arrivent pas à tuer les... arrivent pas à tuer les lanciers quoi. Non, là c'est dur. On va quand même reprendre ça. Vache. Bon. Et bah ça se termine pas en beauté. Ah, pourquoi il y a une... Oh là là, l'agitation grandissante ici.
Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ouais, uniquement ça. Toi. Je pense que... Non, l'idée, c'est de tuer eux. Hop. Voilà. Et de remonter ensuite. C'est dur. Hein. Et il n'y a pas moyen de... Parlez avec prudence, car mon sabre est prêt à couper vos têtes. Non. Non, bon bah voilà. Bah je crois que c'est fini pour ce soir, le stream. Bon bah c'est un stream sur Total War Shogun 2 qui a commencé comme il faut. Et qui se termine difficilement. C'est compliqué. Ici on a une armée qui a repris la ville. Bon, on verra. Kyoto est menacé. Je voulais garder Omi pour exactement ce genre de blague. Ça veut dire je passe dans les fourrés et j'attaque. Dur, dur. Bon, bah écoutez, ça a été un plaisir. On a passé une bonne soirée, n'empêche. Mine de rien, ça a été une très bonne soirée. Au plaisir de vous retrouver sur le stream. Ciao YouTube aussi. Bisous, bisous. À la prochaine. Ciao, ciao.